Les Dolomites sont une chaîne de montagnes spectaculaires située dans le nord-est de l'Italie, à la frontière avec l'Autriche. Elles font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009, grâce à leur beauté naturelle et à leur diversité géologique. Les Dolomites sont composées de 18 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude, qui se dressent comme des murailles verticales, des falaises abruptes et des aiguilles acérées. Elles sont traversées par de nombreuses vallées étroites, longues et profondes, où se nichent des villages pittoresques, des lacs cristallins et des forêts verdoyantes. Et maintenant, un peu de géologie. Les Dolomites étaient, il y a des millions d'années, un massif de corail. Les bastions dolomitiques se composent en grande partie de récifs coralliens pétrifiés, ayant grandi dans la Tétis à la fin du Trias inférieur. Nous quittons la région des lacs et prenons la direction de Bolzano en prenant la SS 38. Cette route nous mène vers le col de Stelvio. Le Tyrol italien est rattaché à l'Italie en 1919. Ce territoire des confins de l'Italie bénéficie d'une large autonomie. Cette région partage une culture à la fois fortement germanisée et italienne qui se retrouve dans l'architecture des villes. Sur la SS38 vers le col est longue et difficile pour un camping-car. Nous montons par un beau dimanche ensoleillé et ce n'est pas forcément une bonne idée. Beaucoup de vélos, motos et voitures. De nombreuses Porsche et coupés sport montent en procession pour atteindre le haut du col à 2700 mètres d'altitude. La descente du col vers Merano sera encore plus tendue, avec des virages en épingle qui nécessitent parfois de s'y reprendre à deux fois. Thank you.
Après Bolzano, nous prenons la direction de Renon, par la SP73 qui monte et serpente vers le site des surprenantes pyramides de terre. Les paysages sont magnifiques et la route traverse les vignes cultivées sur des pentes. Nous nous posons à Longomozzo. Heureusement, à cette saison, il est autorisé de stationner en camping-car sur les parkings non loin du site. L'accès au site est bien aménagé et permet de voir ces curieuses pyramides de loin. Dans le souci de préserver ces colonnes de terre fragiles, il n'est pas possible, et heureusement, d'aller se promener au pied des colonnes. Des plateformes sont aménagées pour permettre d'admirer le panorama des colonnes de terre posées dans un théâtre de verdure. Au loin, on voit l'aiguille d'une petite église d'un village. Le lendemain matin, nous redescendons vers Bolzano et prenons la SS241 vers Careza pour admirer le lac de Careza. En cette saison, un parking pour camping-car sans service permet de rester après 19h pour 5 euros. Nous en profitons pour passer une nuit tranquille et fraîche, 1600 mètres d'altitude. Le site du lac de Careza est très photogénique avec ses eaux bleues et les montagnes qui l'entourent.
villages de Campitello di Fasa et Canazé sont des stations touristiques des Dolomites, situées dans la partie est de Trentino Alto Adige. Canazé est la principale station dans le Val di Fasa. Cette vallée a de grandes montagnes qui surgissent de chaque côté. Pendant les mois d'été, Canazé est un excellent point de départ pour les randonnées et l'escalade. Les deux villages sont magnifiques avec leurs commerces, hôtels et résidences de luxe aux murs peints, caractérise bien la région du Tyrol sud italien. Nous prenons la direction de Cortina d'Ampezzo par la SR48. La route traverse quelques villages et passe par deux cols. Elle est relativement facile et de bonne qualité. Mais malgré tout, pour les 50 km jusqu'au site des Sanctori, nous prendrons plus de 2 heures. Sur le grand parking des remontées mécaniques. Un temps perturbé est prévu pour l'après-midi. Dès notre arrivée, nous montons par les télésièges pour atteindre le site des Sanctori situé sur les hauteurs. Nous sommes éblouis par les paysages majestueux. De nombreux sentiers sillonnent les environs. Les Sanctori sont un petit complexe montagneux appartenant au chaînon des Dolomites Ampezzanes, chaîne des Dolomites orientales. Nous prenons le sentier qui nous mène au musée à ciel ouvert de la Grande Guerre. C'est un site de mémoire de la Première Guerre mondiale entre les troupes italiennes et hongroises. Nous sommes subjugués par la beauté des panoramas qui s'offrent à nous à 360 degrés.
nous reprenons la route qui descend vers Cortina d'Ampezzo, à moins de 15 km du site des 5 Torri. Nous allons au camping de Cortina. Une grosse perturbation pluvieuse nous invite à coucouner dans le camping-car. Le lendemain, le soleil réapparaît et l'après-midi, nous allons à pied dans le centre de Cortina, situé à quelques kilomètres. Cortina d'Ampezzo est une belle station touristique de luxe posée dans un écrin de verdure et de montagnes. Le contraste des prairies verdoyantes, des sommets gris-blancs des montagnes et des chalets posés avec harmonie offre de beaux tableaux. Les promeneurs se concentrent sur la rue centrale où sont situés des commerces de luxe et les hôtels aux murs peints.